Bonjour à tous, présentation aujourd'hui du Noctis 450, un boîtier moyen tour signé NZXT destiné aux joueurs. Il se vend d'un design travaillé avec un mariage de plastique, de metal mesh mais également d'acier. On retrouve un équipement plutôt sympathique avec de l'USB 3, de l'USB 2, un rétroéclairage ou encore une gestion maligne de sa ventilation. Il se propose également de mettre en avant la configuration avec une fenêtre latérale tandis que l'intérieur est travaillé pour offrir, on va dire une fois que le montage est terminé, un aspect sobre et professionnel. Présentation donc de ce Noctis 450 du constructeur NZXT. Le Noctis 450 du constructeur NZXT est donc un boîtier moyen tour destiné aux joueurs. Il propose une finition mariant de l'acier, du plastique, également du metal mesh. Il y a un véritable travail au niveau du design qui lui apporte une personnalité propre, un look qui peut plaire ou pas plaire, c'est un certain risque, mais l'ensemble est toutefois réussi avec une sorte de mariage de draps qui s'enlacent les uns dans les autres tout en laissant libre l'accès à plusieurs grilles metal mesh afin de permettre au boîtier de pouvoir respirer. Il est équipé de plusieurs ventilateurs et d'un système entièrement filtré. On va commencer par découvrir la façade avant, elle est donc amovible, je vais l'enlever tout de suite, et elle libère un premier filtre donc qui prend tout l'espace, il est magnétique et laisse donc apercevoir les trois ventilateurs de 120 mm placés à l'avant. Ces derniers vont aspirer l'air à l'intérieur du boîtier, tandis qu'un quatrième ventilateur placé cette fois-ci à l'arrière est en charge de l'évacuer. Bien sûr, plusieurs autres emplacements sont disponibles, aussi bien pour installer des ventilateurs complémentaires ou encore de passer au niveau du water cooling. On va faire plusieurs changements de plan autour de cette présentation afin de regarder sa connectique, son architecture ou encore l'organisation interne que NZXT propose. A noter enfin que ce boîtier est positionné sur le haut de gamme, on le trouve d'ores et déjà en boutique, mais positionné à un tarif plutôt assez salé de 190 €. Donc petit changement de plan cette fois pour regarder la connectique de ce Noctis 450. NZXT a choisi de placer la connectique sur le haut, ce qui sous-entend que ce Noctis 450 doit être positionné à même le sol. La connectique se compose de 4 ports USB, dont 2 en USB 3. On retrouve également les classiques jack audio, micro casque ou encore un bouton power. Cette connectique se complète à l'arrière avec un petit bouton, comme vous pouvez le voir. Ce dernier va permettre de choisir le rétroéclairage, puisque le boîtier est équipé d'un rétroéclairage à même le sol, mais également de plusieurs LED au niveau de le panneau arrière, afin de pouvoir faciliter le branchement en cas d'utilisation du boîtier dans une pièce qui n'est pas éclairée. Il est donc possible de choisir d'allumer simplement le bas, l'arrière, les deux, ou encore d'éteindre complètement l'ensemble du rétroéclairage. NZXT a choisi de positionner le bloc d'alimentation sur le bas. Comme nous le disions, il est accompagné d'un filtre anti-poussière amovible par l'arrière du boîtier, tandis qu'au niveau de la façade arrière, on va essayer de faire ça en live, on va retrouver pas moins de 7 slots d'extension, également 2 passe-cloisons pour un système de water cooling externe, tandis que le ventilateur de 140 mm en extraction est réglable en hauteur selon les besoins. En latéral, on va retrouver une large fenêtre afin d'exposer sa configuration. Et à l'intérieur, comme je vous disais, NZXT a choisi et a opté pour un design professionnel. C'est-à-dire qu'ici, la configuration est déjà montée. Elle n'a pas en particulier profité d'une optimisation. C'est simplement contenté de placer les câbles où il fallait. Et on a quand même un aspect final très pro. Au niveau de l'espace interne et de l'organisation interne, le bloc d'alimentation est placé sur le bas, la carte mère, elle, donc sur le haut. On a un espace dédié au niveau de la carte graphique de 294 mm en standard. Ceci peut être poussé à 406 mm en faisant abstraction de la cage HDD. Et côté ventirade, et on a 180 mm de disponible au niveau de sa hauteur. On retrouve bien sûr le 140 mm arrière, tandis que l'ensemble du stockage va être confié à une colonne principale que vous voyez ici. Là c'est pareil, il n'y a pas une seule vis apparente, on a véritablement un rendu pro. Ici le petit NZXT au niveau du logo va être rétroéclairé en rouge, ce qui donne un aspect sobre et efficace. On retrouve également sur le haut, donc on va dire de ce capot de protection du bloc d'alimentation, deux emplacements pour positionner un SSD au format 2,5 pouces ou encore un disque dur. Donc on va faire simplement une rotation du boîtier
pour pouvoir regarder donc cette fois-ci l'arrière de ce NZXT Noctis 450. À l'arrière de ce Noctis 450, il y a pas mal de choses à dire. On va tout d'abord retrouver une colonne donc placée à l'avant, dédiée au stockage. On a ici pas moins de 6 emplacements, tous accompagnés de tiroirs en métal avec des vis à main, où on va pouvoir installer une unité 3,5 pouces ou encore un SSD au format 2,5 pouces. Et à noter qu'on a des petits tampons en caoutchouc pour amortir les vibrations. Donc au total, ce Noctis 450 permet d'installer 6 unités de stockage au format 3,5 pouces ou 2,5 pouces, en complément de 2 emplacements dédiés au format 2,5 pouces, qu'on a vu tout à l'heure, au-dessus du bloc d'alimentation. Par contre, il y a l'impasse sur un emplacement pour un lecteur optique au format 5,5 pouces. On remarque également 2 petites cartes électroniques. Alors ici, celle-ci va être dédiée à la gestion de la ventilation. C'est ce qu'on appelle un hub PWM 8 ports. Donc ici, on a branché les 4 ventilateurs du boîtier, les 320 mm placés à l'avant et le 140 à l'arrière. Et la petite astuce proposée par NZXT est de rebrancher aussi sur cette petite carte le ventirad processeur, tandis que sa gestion sera confiée, elle, au connecteur, comme on peut dire, au niveau de la carte mère dédiée au ventirad. C'est-à-dire que lorsque le processeur est sollicité dans un jeu ou pour du calcul intensif, automatiquement la carte mère va accélérer la vitesse du ventilateur, du ventirad. Bah, ici, cette instruction va être confiée, va être renvoyée au niveau de cette carte électronique qui va, en fin de compte, distribuer l'information à toute la ventilation du boîtier. Donc on va avoir non pas uniquement le ventirad qui va s'accélérer, mais on va avoir également tous les ventilateurs du boîtier qui vont suivre, donc les mêmes ordres qui est lancé par la carte mère. Au niveau du câble management, c'est bien pensé, on a un espace assez libre pour le rangement des câbles, tandis que les attaches sont nombreuses, ce qui permet d'organiser l'arrière et d'avoir une fermeture du panneau très simple. Ici, on a mis quelques minutes pour arriver à ce résultat-là, donc c'est plutôt positif. Enfin, on a sur le haut une deuxième petite carte électronique, celle-ci est dédiée au bouton pressoir qu'on a vu tout à l'heure à l'arrière, afin de pouvoir donc rétroéclairer le bas du boîtier ou encore l'arrière ou le logo à l'avant. Au final, ce Noctis 450 du constructeur NZXT est donc un boîtier gaming pour joueurs. Format moyen tour, il est équipé de 4 ventilateurs, 320 à l'avant, 140 à l'arrière. On retrouve un ensemble entièrement filtré, filtre magnétique à l'avant et filtre au niveau du bloc d'alimentation. NZXT choisit un rendu sobre avec un mat, on va dire non brillant, donc très agréable au toucher. On a un véritable travail au niveau du design, c'est une prise de risque. Chez Limfo, on aime bien. Par contre, le souci, c'est que certains aimeront, d'autres n'aimeront pas, mais il y a véritablement ici une avancée qui permet d'avoir un boîtier qui a vraiment une personnalité. On retrouve du plastique, du metal mesh ou de l'acier. On retrouve cet esprit de sobriété également au niveau interne, puisqu'on a une fenêtre latérale qui permet de découvrir la configuration. Et là, un système de capot et de rendu sobre permet d'avoir aucun câblage apparent. On a un rétroéclairage, aussi bien au niveau du boîtier qu'au niveau du logo interne ou encore à l'arrière. Tandis qu'au niveau équipement, on va avoir de l'USB 3, de l'USB 2, mais c'est également une gestion PWM de l'alimentation assez maligne. On se retrouve donc au niveau du site Jimfo pour un test complet de ce boîtier gaming NZXT, donc ce Noctis 450. A noter toutefois qu'il est positionné sur le haut de gamme, il est d'ores et déjà disponible en boutique, on le trouve aux alentours de 190 €. Donc, bah écoutez, rendez-vous sur Jimfo pour un test complet de ce Noctis 450 de NZXT, un boîtier gaming au format moyen tour ayant un équipement plutôt sympa.